Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Halsey, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenant. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité, personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué? Que cherchez-vous? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différent. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils avaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond, il était brisé? Que vient faire John dans cette histoire? Vous voulez le remplacer? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurent donc pas? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mais Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. Et surtout... Surtout, ne le sous-estimez pas. Thank you.
Réveillez-vous. J'ai besoin de vous. Major, tout doux. Votre absence a été longue. Où sommes-nous ? Toujours à la dérive sur le Dawn. Pourquoi me réveiller ? Attendez, j'active vos systèmes de suite. J'ai modifié votre combinaison pendant votre sommeil. Vous n'avez pas chômé. Activation des générateurs de gravité. En haut, Major. Utilisez l'ouverture manuelle. C'est comme au bon vieux temps. Prête à reprendre du service ? C'est la question que j'attendais. Les alarmes d'intrusion se sont déclenchées sur plusieurs ponts. Pour savoir qui nous aborde, allez voir sur le pont d'observation, 4 étages au-dessus. C'est peut-être des secours. Mais je parierai pas dessus. J'ai dormi longtemps. 4 ans, 7 mois et 10 jours. Quelqu'un aurait déjà dû nous trouver depuis le temps. C'est quoi ? Une forte énergie est détectée. Elle ne correspond à rien de connu. Le pont d'observation est encore loin. Il est juste au-dessus de nous. Cet ascenseur a l'air bien bloqué. Major, attention ! Certaines zones peuvent être dépressurisées ! Ok. Major, attention ! Je n'avais pas réalisé que le vaisseau était endommagé à ce point. Des choses en 4 ans. En tout cas, il est sûrement pas seul. Restons sur nos gardes. C'était le dernier. Trouvez la commande des portes blindées. On doit voir ce qui nous attaque. La bonne nouvelle, c'est que ces covenants ne sont pas en tenue militaire standard. Il est possible qu'on soit tombé sur un vaisseau de sauvetage isolé. Ou alors, nous sommes tombés sur toute une flotte covenante. Ils nous ont peut-être pas reconnus. C'est une des possibilités. Navette d'abordage sur notre flanc. Attention,
devons quitter ce vaisseau. On a des problèmes plus urgents. Il y a un croiseur sur une trajectoire d'intersection. Rejoignez vite les ascenseurs. Les détecteurs n'avaient pas repéré des systèmes d'armement encore actifs. Si, mais comme le vaisseau a été coupé en deux, on ne peut plus accéder au poste de contrôle des armes. Il faudra les lancer manuellement de l'extérieur. Sont désactivés. S'ils ne les activent pas, ce missile va leur faire une drôle de surprise. Covenants ont l'air plus féroces que ceux qu'on a déjà affrontés. On y est presque. La station de lancement auxiliaire devrait se trouver à votre gauche après les SAS. Vous devrez amorcer la séquence de lancement. D'accord. C'est rien. Allez à la station de lancement.
J'ai dû louper quelque chose, mais ça fait longtemps qu'on est en orbite autour d'une planète Forerunner. Une chose à la fois. Commande du missile. Le lancement est là.
dans le puits de gravité. Poursuivre des nacelles. Négatif. Attention!